homme s'appelle Dedi Yoshua. Je voudrais encore, mesdames et messieurs, qu'on fasse des clameurs pour ce chantre. Merci. Nous espérons et nous croyons que la grâce de Dieu est déjà tombée. Mesdames et messieurs, les jours sont passés, les semaines se sont écoulées et les mois se sont endormis. Une année s'est achevée. Et voici qu'une autre, bien sûr, veut nous présenter son berceau, veut nous présenter justement une journée nouvelle qui va démarrer. Nous sommes bien sûr dans la pure transition 2017-2018. Combien sont-ils ces personnes qui ont rêvé de voir cette année mais qui n'ont pas pu? Et c'est la simple raison que pour cette grâce, nous voulons pousser donc des cris de joie, des clameurs, avec toute cette assistance que je demande de m'assurer bien fort. Et comme vous le savez, pour cette émission de Aquaba 2018, et je ne suis pas seul, elle est toujours avec moi avec sa superbe voix et puis surtout qu'elle est si élégante. Je voudrais qu'on reçoive ici ensemble ma colistière, moi seul, ma colistière, Bénédicte Akon. Bonjour, bonjour 2018. Parce que lorsque nous disons bonjour à 2018, nous disons bonjour à la joie, bonjour à l'amour, bonjour à la richesse, je dirais. Bonjour également, oh, que le Seigneur il est merveilleux. Nous disons également Aquaba à la gaieté tout au long de cette année 2018. C'est-à-dire, vous n'allez pas pleurer en 2018. Vous allez toujours sourire en 2018. Quelle que soit la nouvelle qui va tomber, vous serez toujours en joie. N'est-ce pas merveilleux? On va acclamer 2018. Alors, elle me disait en coulisses, Ghislain, je veux que cette année 2018 soit une année 4G. Premier G, c'est gentil. Deuxième G, génial. Troisième, généreuse. Quatrième, gracieuse. Est-ce que c'est pas bon, bien sûr, de saluer cette année 4G? Alors, mesdames et messieurs, vous êtes à l'émission Aquaba 2018. C'est la première émission de BNTV. Et ça s'applaudit d'ailleurs. Parce qu'avec cette émission, vous démarrez votre année en musique, en joie et bien sûr en gaieté. Tout au long de cette émission, eh bien, nous aurons une pléiade d'artistes sur notre plateau. On aura également des prestataires tels que Madame Amia du salon esthétique Touche Glam. Quand vous me regardez, n'est-ce pas que je suis un peu belle? Je ne dirais pas toi, mais je dirais un peu belle, non? Je suis un peu belle, non? Voilà. Tu es très belle, très belle. C'est grâce à Madame Amia du salon esthétique Touche Glam, vous la verrez tout à l'heure. Nous aurons également un défilé d'accessoires. Il s'agit de Sylvie Conan de Africa Authentic Moldes. Et enfin, le styliste Ibrahim Kamisoko nous viendra pour nous gratifier dans un défilé. Voilà. Ben oui. Voilà. Il faut voir justement les bonnes tenues à porter pour 2018. Oui, pour 2018. On aura également à prendre des vœux pour certains d'entre vous. Voilà, nous sommes en 2018. Qu'est-ce que vous conseillez? Quel est le bilan 2017 et qu'est-ce que vous conseillez à vos frères et sœurs pour l'année 2018? Denis Dacon. Oui. Je viens coucou, non? Ah, je peux te faire. Oui, bien sûr. Juste un baiser. Oui, vas-y. Pour ce nouvel an. Oui. Vas-y. C'est donc avec cette belle symbolique de fraternité, de générosité que nous allons bien sûr vous présenter la première prestation du genre, une voix que j'ai écoutée qui m'a emporté, elle m'a baissé et justement ici, elle baisse une génération, un talent assez généreux, très fort, sa prestation est immense et très riche. Pour cette année 2018, nous vous présentons Geneviève Pou. Tu m'as montré ta tendresse, tu m'as montré ta bienveillance.
qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Hosanna eyo. Hosanna eyo. N'est-ce pas beau, encore d'ovationner bien fort. Donc, notre artiste chante, Geneviève Brou. Est-ce qu'on peut ovationner bien fort, donc, la chante Geneviève Brou, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, à sa suite, on a voulu encore écouter une voix féminine, une dame que nous voulons inviter ici. Très gracieuse, d'ailleurs son nom le dit, et le titre donc qu'elle veut nous interpréter, qu'elle veut nous chanter en cette soirée est donc Kandé, Maman Grâce, que je voudrais bien sûr, mesdames et messieurs, que nous recevions Maman Grâce. Là, qui a débissé? Ah, c'est la maman là. Tu as bien fait. On va l'ovationner.
Alors, tenez-vous tranquille, hein. Le show ne fait que commencer. Et puis déjà, maman est bissée. Ah. Donc, celui qui va venir, là, quand il va finir, tu vas plus bisser, oh. Parce que c'est qui va venir, là. Vraiment. Donc, lui, c'est le chanteur Elkanah. Tu sais, maman, quand il est sur scène, il dégage beaucoup d'énergie. Tu as dit bissée, non? Tu vas dire plus que bissée tout à l'heure. Je te promets. Donc, le chanteur Elkanah va venir tout de suite sur notre plateau. Il va nous chanter une chanson de célébration. Bien sûr, nous sommes dans une nouvelle année 2018 et nous sommes là pour célébrer cette nouvelle année de joie, de paix et de grâce. Mesdames et messieurs, sous vos ovations, Elkanah maintenant. J'ai dit la vérité tout à l'heure. Quand j'ai dit tout à l'heure que quand il va venir, maman, là tu dis quoi? Tu dis plus bissé? Qu'est-ce que tu dis? Ah, ça c'est bissé au carré. On va encore applaudir notre chanteur. Alors tout à l'heure, j'ai annoncé des prestataires. Il s'agit de Sylvie Conon de Africa Authentic Models. Il faut dire qu'en cette année 2018, nous devons nous africaniser, chère maman. On doit plus porter notre pagne, même si je ne suis pas en pagne aujourd'hui. Mais pour ceux qui me connaissent, savent que j'aime bien mettre en valeur notre culture, c'est-à-dire la culture africaine. Et ça passe à travers le pagne. Et nous avons quelqu'un qui travaille bien cette matière-là. Elle, c'est Sylvie Conon de Africa Authentic Models. Elle fait des accessoires en pagne. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Je vais commencer par appeler ces mannequins qui vont venir ici, maintenant sous vos ovations. On va mettre un peu de musique à la régie. On va mettre une musique en soutien. Elles vont venir et elles vont poser. Vous allez découvrir ce que Sylvie Conon fait, notre consoeur. Voilà, ce sont des accessoires en pagne. On peut être belle tout en restant dans notre matière. Et même les chaussures sont en pagne, si vous avez bien remarqué cela.
voilà, nous avons vu ce que notre chère sœur Sylvie Konon fait. On va la découvrir maintenant en image. Elle vient sous vos ovations, Sylvie Konon. Alors, bonsoir Sylvie. Bonsoir Bénédicte. Alors, on a vu des merveilles. On a vu tes merveilles. On a vu que tu fais des chaussures en pagne. Tu fais des chaînes en pagne. D'où est venue cette inspiration? Alors, on va dire l'inspiration vient de Dieu. En général, quand je crée autour de 1h, 2h de mat, quand il fait très, très, très silencieux. Et je commence à... Ça me vient et je commence à travailler les colliers et autres. Il n'y a pas de... On va dire, il n'y a pas de modèle déjà prédéfini. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un travail qui se fait dans la nuit. Donc, on va dire, c'est Dieu qui nous inspire. Où tout le monde dort, donc Dieu fait son travail. Voilà. Mais après ça, je veux dire que moi-même, j'ai ma mère qui est couturière. Elle a fait ça toute sa vie. Aujourd'hui, elle est à la retraite. Elle a plus de 60 ans. Elle a fait ça toute sa vie. Donc, je suis la seule go, on va dire, la seule fille parmi les hommes. Donc, j'ai eu la grâce d'aller acheter les tissus, les fils. Bon, j'ai baigné dans cet environnement. Et aujourd'hui, ma mère a travaillé les pagnes, les trois pagnes. Aujourd'hui, moi, je travaille les bouts de pagne. On va dire ça comme ça. Et cela, c'est grâce au Seigneur. Amen. On va dire on ça va comme l'applaudir. Ça. Merci. Merci, Sylvie. On va raccompagner nos mannequins qui vont aller se rasseoir. Voilà, on fait aussi en pagne les chaussures, les sacs, les colliers. Hein. Aujourd'hui, c'est la collection Chic d'Africa avec les colliers. C'est ce que je vous ai présenté. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais appeler ici mon colissier qui va me rejoindre sur cette scène, qui va nous permettre d'aller avec notre prochain chantre qui va venir nous gratifier d'une très belle chanson, n'est-ce pas? J'aurais voulu voir donc ces mannequins et puis prendre des selfies, pourquoi pas? Ah bon? Elles sont si... Elles peuvent revenir, hein, si tu veux. Hein. Si fines, si... Si gracieuses. Gracieuses, comme 2018 d'ailleurs. Et je voudrais qu'on les ait les ovations encore bien fort, mesdames et messieurs. Merci à Sylvie Konon. Et si tu permets, je vais maintenant inviter... pour une prestation artistique, une chanteuse qui sort donc son album. Et elle est donc avec une grosse machine. Et à travers donc sa prestation, nous voulons saluer le PCA de Burida, et que nous connaissons tous. Et sa prestation fait sensation. Vous l'écoutez et vous avez envie de danser et la réécouter. Nous invitons ici pour Aquaba 2018, si tu permets. Georgina Guédé, s'il vous plaît. Georgina Guédé que nous recevons pour Aquaba 2018. Hallelujah. Oseye. Chante Oseye. Yeah, Oseye. Pour ta victoire, chante Oseye. Il a pris ton fardeau au pied de la croix. Chante Oseye. Il a pris ton infirmité à Golgotha. Chante Oseye. J'ai vu les merveilles de mon Dieu. Il a détruit les œuvres de Satan. Il nous a donné la victoire. Et c'est pour cela que nous chantons. À la croix, il a payé le prix, en donnant sa vie en sacrifice. Et ainsi les chaînes sont brisées. Et c'est pour cela que nous nous réjouissons. Oh Seigneur, yeah, 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 yeah. We don't we know. Oh Seigneur, oh Seigneur, yeah, yeah, yeah. We don't we know. Merveille de mon Dieu, il a détruit les œuvres de Satan. Il nous a donné la victoire, et c'est pour cela que nous chantons. Elia,
tu abandonné. Dans la souffrance, la maladie, l'adversité. Non, 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 Emmanuel est là. Georgina, Georgina Guédé, ben, c'est un grand plaisir de vous avoir. Le plaisir et partagé. L'album a été masterisé, on va dire, en France. Oui. Et nous voulons justement, à travers votre prestation, saluer cette personnalité brodée du Burida, donc le PCA. Monsieur Cyril Sylvain, que je voudrais, mesdames et messieurs, vous demander d'ovationner bien fort. Alors, quelle est votre actualité? On a écouté votre album hein, et au bout de quelques temps seulement, la mayonnaise est en train de prendre. On se demanderait si, est-ce que le calendrier il est aussi chargé? Oh, Dieu nous fait grâce et le calendrier est chargé, pas trop. Ouais. Donc on est encore disponible pour bénir le nom du Seigneur avec le peuple de Dieu. Acclamez un peu pour moi. Ouais. Merci. Voilà, on vous sortait un album tout de suite qui prend, la mayonnaise commence à prendre, à prendre, à prendre. On sent que le succès est juste là, à quelques bouts. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande, votre calendrier, surtout votre actualité? L'actualité, donc, c'est la sortie de l'album, mais nous préparons un grand concert dans quelques mois, dans le mois de mai certainement. Nous préparons le concert pour que tout le peuple de Dieu, on puisse se réunir ensemble et louer le Seigneur. Louer celui-là même qui a brisé les chaînes dans nos vies, qui nous a libérés de toute captivité et qui fait de nous des vainqueurs et des victorieux. Donc je donne rendez-vous à tout ce merveilleux peuple de Dieu. C'est l'occasion de venir bénir encore à chaque occasion. Favorable ou non, nous devons trouver le temps de pouvoir bénir ce Dieu-là qui fait de grandes choses pour nous. C'est encore une occasion de nous retrouver ensemble et de dire « Tu as brisé les chaînes ». Vous savez, chaque fois, l'ennemi tente. Mais il ne sait pas que nous marchons dans la victoire. C'est clair. Alors, nous savons que nous marchons dans la victoire et nous venons dire « Tu as échoué ». Quel que soit ce que tu mets devant nous, notre réalité, notre vérité, c'est que Christ a brisé les chaînes. Merci. Christ à briser les chaînes, je pense que c'est la dernière parole que nous laisse ici Georgina Guédé avant bien sûr de quitter notre plateau. Je vous demande de l'ovationner bien fort. Et sur ce, il y a une seule position que nous devons prendre pour que Christ brise les chaînes. C'est simplement donc fléchir genoux, se prosterner devant notre Dieu et donc implorer sa grâce. Mesdames et messieurs, je voudrais pour ce Aquaba 2018 présenter un autre groupe. On les appelle le groupe Ariel. Le titre, c'est Prosterné. On nous les recevons ici, s'il vous plaît. Le groupe Ariel. Les genoux devant sa
Aquabadville pour vous, mesdames et messieurs. Merci. Merci beaucoup. Alors, prosterné, tel était le titre de cette chanson qu'on va applaudir encore une fois. Nous avons fini de nous prosterner devant la face de notre Seigneur. Nous allons nous épauler également. Cette fois, c'est avec la chanteuse Déborah que je vous prie d'ovationner très fort. On va l'ovationner encore une fois, Déborah. Alors, ah ouais. Justin, nous avons des invités de marque. Ben oui, des invités de marque et nous voulons saluer ceux-là même qui constituent la majorité de notre public de cette soirée. Je voudrais donc saluer l'ONG Petraron qui est vaillamment et puissamment représentée. Alors, c'est tout ce que vous pouvez faire qui est là. C'est tout ce que vous pouvez faire comme applaudissement. Petraroc. Petraroc. On fait le cri du cœur. Petraroc. Et on applaudit très fort. Alors, il faut le signifier que l'ONG a également invité des sœurs musulmanes. Qui sont parmi nous, elles vont se lever et on va les applaudir. Merci pour... Elles vont se lever, voilà. Merci pour la solidarité, la fraternité, voilà. Juste pour dire qu'en 2018, il ne doit pas avoir de guerre religieuse, s'il vous plaît. Et il y a aussi l'Institut supérieur de la formation continue qui est représenté en cette soirée. Est-ce qu'on peut les ovationner bien fort, s'il vous plaît? ISFC. Avec à sa tête le docteur Kouma Emmanuel, le PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Alors, le monde de la connaissance, c'est eux, hein? Oui, vraiment.
Alors, l'homme me fait dire que celle qui va venir, elle nous fera certainement danser. Mais on laisse à votre appréciation. Je demande, bien sûr, à toute l'assistance et aussi, si tu me permets, d'appeler ici, sur notre podium de Aquaba 2018, la chanteuse Clémentine. Tu la connais ? Oui, elle va venir tout à l'heure. Si vous ne la connaissez pas, on la découvre ensemble. Chante Clémentine, s'il vous plaît. Jésus est le don gratuit de Dieu. Nous avons tout pleinement en lui. Jésus est le don gratuit de Dieu. Nous avons tout pleinement en lui. Grâce pour annoncer que l'année 2018 sera que grâce. Cette année 2018, on verra que la grâce en 2018. Si vous êtes d'accord avec moi, qu'est-ce qu'on fait? Année de grâce. Alors, nous avons fini avec la grâce. Nous allons partir avec une autre chanteuse. Lorsqu'elle est sur le plateau de notre télé, eh bien, elle enflamme le plateau. Elle, c'est Emmy Tiapo, sous vos ovations, superbement bien habillée. Nous la recevons maintenant. Béni sanou bé miama, nyamien bo pa masranou. Béni sanou bé miama, nyamien bo mangwanyo. Béni sanou bé miama. Isotia ela nyamien se o titio. Ela nyamien se o titi miengwa ouye. Ela nem me aceitou.
Une digne représentatrice de la tribu Baoulé qu'on va ovationner bien fort, mesdames et messieurs. Amy Tiapo. Super. Alors, pour ceux qui nous prennent en marche, nous vous rappelons que nous sommes à notre émission donc, de transition pour entrer dans cette année 2018. Pourquoi ? Parce que nous sommes les survivants de cette année et Dieu nous a fait grâce d'avoir la vie. Je dis bien la vie. V, valeur, I, illimité, E, énergie, la valeur illimitée d'énergie que nous avons et nous allons déborder en cette année 2018. Pour justement continuer cette randonnée, nous allons vous présenter une artiste, une chanteuse qui affiche un portrait franchement très riche et immense. Lorsqu'elle passe, c'est justement une fraîcheur de poésie que vous ressentez. Pour vous, mesdames et messieurs, et pour ceux qui sont au-delà de la Côte d'Ivoire, nous vous présentons la chanteuse Grâce Valérie, s'il vous plaît. Alléluia.
Waouh. La grande grâce, Valérie. Merci, merci. Et je vous demande de l'ovationner bien fort, mesdames et messieurs. La chante grâce, Valérie. Econ, tu as quelque chose à dire sur la prestation? Oui, j'aime la présence du Seigneur. Ah ben ouais. Qui n'aime pas la présence du Seigneur? Ah, j'aime ta présence, Seigneur. Et si vous êtes d'accord avec moi, on applaudit la présence du Seigneur. Alors, d'entre deux jeux pour cette émission, je l'avais annoncé, Madame Amia, du salon esthétique Touche Glam. Elle fait des merveilles lorsque vous vous rendez chez elle, dans son salon. Lorsque vous partez de manière brute, quand vous ressortez de là, on ne vous reconnaît plus. Et elle tire son inspiration de Dieu, m'a-t-elle dit dans les coulisses. Pour voir un peu ces merveilles, on va rappeler ici nos différents mannequins. Tout à l'heure, elles étaient là. Vous n'avez pas peut-être fait attention au maquillage, mais vous allez tout de suite remarquer les merveilles qu'elle a réalisées sur leur visage. Et sous vos ovations, nos mannequins reviennent maintenant. Vous allez remarquer un peu, elles vont venir jusque-là. Alors, c'est un maquillage professionnel, un maquillage, on va dire, soft, pour vous permettre de sortir pour aller à des rendez-vous, on dira pour aller dîner, pour aller même à l'église, c'est possible. Et sous vos ovations, on va recevoir Madame Amian et ses filles du salon. Alors, elle va se mettre là. Econ, oui? Si je comprends bien, tu rentres originelle dans son salon et tu sors originale. Bon, si tu veux. Hein. Si tu veux. D'accord. Mais tu sors plus belle. D'accord, super. Alors, Touche Glam, oui. Qu'est-ce que vous faites exactement chez vous? Alors, Touche Glam, chez Touche Glam, on fait la coiffure. On fait, comme on appelle, les soins. On fait le maquillage encore. Voilà. D'accord. Alors, nous avons nos trois mannequins que vous avez maquillés. Pour ces maquillages, c'est pour quelle occasion? Bon, ce maquillage qu'elles portent, on peut le porter à toute occasion. C'est-à-dire les mariages, les maquillages de sortie, un peu de tout. D'accord. Voilà. Donc, pour l'année 2018, qu'est-ce que vous conseillez à nos différentes femmes qui nous regardent actuellement? On peut dire, il y a des femmes qui pensent que le maquillage, il faut porter le maquillage parce qu'on a un événement ou une invitation, mais ce n'est pas le cas. On porte le maquillage à tout moment, que ce soit à l'église, que ce soit, je ne sais pas, partout. On peut porter le maquillage. Il faut être belle à chaque moment. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. En train de balayer la cour, il faut être toujours pomponnée et bien mise, quoi. Non, je veux dire, comme vous dites dans la cuisine, on peut porter un maquillage simple. Soft, d'accord. Voilà, à chaque moment. Mais il faut être belle, quoi, en fait. Voilà, il faut être belle. Que les potes disent waouh, ma voilà, femme, c'est quoi. Ça. D'accord, super. D'accord, donc on va donner la situation géographique de Touche Glam. Alors, nous sommes situés à la Riviera Palmeret, pas loin du Carrefour Cabine Bleue, c'est-à-dire à 50 mètres de la pizzeria d'Acamel. D'accord, donc voilà. Vous faites toutes sortes de maquillage, oui, pour les mariés. Tout. Oui, les mariés et tout. D'accord. Vos vœux pour l'année 2018? Alors, nous souhaitons bonne année 2018 et plein d'années de grâce et de bonté à tout le monde. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame Amia. Merci. Merci pour ces merveilles. On va raccompagner nos mannequins à leur place. Et on raccompagne également Madame Amia et ses hôtesses qui sont également superbement bien maquillées. Alors, fini l'esthétique. On va un peu danser. Pour ces personnes qui nous rejoignent maintenant, eh bien, sachez que vous êtes à votre émission de fin d'année Aquaba 2018. Nous allons partir toujours en musique avec cette très belle dame qui viendra nous gratifier de sa superbe chanson que j'ai nommée. Tu la connais ? Oui, tu la connais ? Tu es sûre ? Oui, 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 j'en suis certaine. D'accord. Elle, c'est Anne Assi, maintenant. Anne Assi que nous recevons. Anne Assi. Thank you.
Elle s'appelle Anachi. Je vous demande de l'ovationner bien fort, mesdames et messieurs. Waouh, c'était bon, c'était chic, c'était fort. Et pour cette belle entrée 2018, je pense qu'il nous fallait aussi Anachi parmi la liste de nos artistes que nous avons. Je vais maintenant inviter une très belle voix qui fut lauréate du concours national ici en Côte d'Ivoire. Alors, l'édition 2006, elle a été la lauréate du karaoké, et nous l'invitons maintenant à nous prêter sa superbe voix et surtout nous présenter son album. Je vous invite, mesdames et messieurs, à recevoir la chanteuse Tracy, s'il vous plaît. Au milieu d'un peuple nombreux, que ceux qui sont tant mes ennemis ne seraient juste pas mon sujet. Qui est comme toi, Jésus, qui est comme toi, Yahvé, qui est comme toi, qui est comme toi, Jésus, qui est comme toi.
Les problèmes se lèvent, les mauvaises langues s'élèvent, les faux témoignages s'élèvent. Mon mari est troublé, la mésentente s'installe. Ils ont échoué. Mesdames et messieurs, qu'on va ovationner encore une fois. On passe de très bons moments, hein, n'est-ce pas? Si c'est le cas, on va ovationner encore fort, Tracy. On va aller avec un autre chanteur qui va venir maintenant. Vous savez, lorsqu'on se perd, lorsque nous sommes dans le monde, on ignore la présence de l'Éternel autour de nous. Et on fait des bêtises. Le jour où on se ressaisit, le jour où on se rend compte qu'il y a quelqu'un là-haut qui veille sur nous malgré les erreurs qu'on faisait auparavant, je vous assure que cette personne redevient une personne plus que nouvelle que celle-là même qui était en Jésus depuis qu'il est né. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, celui qui va venir, il était dans le monde. Il était de la jet set. Vous connaissez tous le coupé décalé hein, dans le monde. Il s'est ressaisi et il a dit non. C'est vrai, je fais du coupé décalé, mais il y a quelqu'un là-haut qui veille sur moi depuis que je suis née. Et comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas me ressaisir pour enfin le glorifier? Lui, c'est S. Défalé. Il nous chante Jésus plus que doux. Il s'est rendu compte que Jésus est doux. On va l'ovationner, s'il vous plaît. Thank you.
vous avez aimé donc la prestation de Serge Défalé. Applaudissements encore Nori, s'il vous plaît. Merci Serge. Et à présent, nous allons partir à une autre étape. Inviter un homme, une personne. Mais d'abord, j'invite ma colistière. Viens, rejoins-moi. Elle est superbement bien mise, celle-là. Merci. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Je suis toujours en joie. Voilà. Ben ouais. Alors, tout à l'heure, tu vas nous présenter un styliste. Oui. Alors, depuis le début de cette émission, nous parlons de panafricanisme. Hein. Nous parlons aussi d'africaniser les modèles que nous portons, nos tenues. Et ce styliste qui va venir, lui, c'est Ibrahim Kamisoko. Il fait aussi des merveilles à travers les pagnes. Et c'est celui-là même qui va vous démontrer tout à l'heure ce qu'il sait faire à travers ces trois mannequins qui sont là. Alors, cette représentation est signée Ibrahim Kamisoko. Et sous vos ovations, Kamisoko, mesdames et messieurs, nous allons recevoir les trois mannequins. Alors, ce sont des tenues que vous pouvez porter chez vous à la maison, pour vos sorties. Voilà. Waouh, ça fait beaucoup plus artistique, hein. Je l'aime ça. J'aime vraiment. Waouh. De jolies pagnes, hein. Alors appréciez les tenues de notre styliste. Ce sont des tenues que vous pouvez porter un peu partout. Bon, on dit quand la tête est là. Le genou ne porte pas le chapeau, il est là, Ibrahim Kamisoko, qu'on va recevoir maintenant sous vos ovations. Grand chef, bon arrivée. Alors, il va prendre le micro. Tenez, le mien. Bonjour Ibrahim. Bonjour. Comment ça va? Très bien, je vais très bien. D'accord, alors quel est le nom de cette collection? Bon, c'est une collection innovée parce que nous, Africains, nous travaillons sur le style européen. D'accord. Et c'est le Bambès, c'est un style américain que nous, Africains, nous avons innové avec le pagne, avec du skyoa. D'accord. Voilà. Donc, le nom de la collection, c'est La Merveille. La Merveille. Oui. Waouh. Et c'est vraiment merveilleux. Alors, à quelle occasion peut-on porter cette tenue? C'est la tenue de ville. Tenue de ville. D'accord. Marché, on peut y aller à l'école avec, on peut y aller à la plage. C'est la tenue qu'on peut porter dans la rue. C'est la tenue de ville. D'accord. Simplement. Alors, s'il y a éventuellement des personnes qui ont aimé ce modèle, qui voudraient bien venir vous voir, comment on fait? Bien sûr, je suis Ibrahim Kamisoko, c'est le créateur ivoirien. Je suis installé à Abidjan, au plateau de Cuy, Abidjan. D'accord. Et le contact. D'accord. 07 65 10 19. D'accord. Alors, vos voeux pour l'année 2018 pour finir? Mon vœu l'année 2018, je souhaite la paix en Côte d'Ivoire. La paix, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Et après la paix, le développement pour toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique. D'accord. Merci Ibrahim. On va accompagner ces mannequins. À vous, merci. Voilà. Alors, Bénédicte Acon, j'espère que tu as bien noté. Hein. Très bien noté. Donc, si tu portes ça pour aller au village, tu es une gawaz, quoi. Voilà, c'est une tenue de ville. Tu es gawaz si tu portes pour aller au village. Mais pourquoi? Au village aussi, je suis en ville. Au village, tu es en ville? Oui, je peux porter pour aller chez moi, au village. D'accord. Voilà. Ben, ok. C'est vous les baoulis, ça. On vous connaît pour ça. Allez, qui est-ce que nous invitons maintenant sur notre scène? Et on me dit que c'est maman... La dame là, qui... Oui, oui. Elle parle allemand, elle parle anglais, elle parle le BT. Nous recevons maman Opélie, s'il vous plaît, pour sa prestation. Sous vos ovations. Jésus, viens adorer, mon roi adore.
Merci, maman Opéli. Non, je venais te relever. Nous sommes en 2018 et nous devons avoir la tête haute et on doit toujours tenir sur les pieds. Voilà, c'est vraiment important. On va te raccompagner avec, bien sûr, des applaudissements. Et voici que, je vais dire, l'univers des chantres augmente, grandit et grandit. C'est un diacre, mais lui, il se veut aussi chanter pour la gloire de Dieu. Je vous invite, mesdames et messieurs, à recevoir ici même la prestation du diacre Armel, s'il vous plaît. Prestation du diacre Armel. Quelle que soit ta situation, ton sauveur est là. Il y a longtemps le diable t'a trompé. Il y a longtemps le diable t'a enchaîné. Mais la seule personne qui est capable de résoudre la situation de ta vie, bien-aimé, c'est son nom qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui peut essuyer tes larmes. Pour Aquaba 2018, c'est vraiment un bonheur de recevoir tous ces artistes, tous ces chantres se succéder. C'est vraiment pour dire que nous avons de l'énergie, pleine énergie, et nous avons des vœux les plus chers à souhaiter à nos téléspectateurs, à ceux qui regardent bien sûr cette émission en Bénédicte Akon. Effectivement, et nous avons des personnes dans le public qu'on va interviewer. Nous allons commencer par Madame Conan. Elle va se lever et va prendre le micro. Elle va se lever. Elle est très bien habillée. Hein? Est-ce qu'on peut ovationner, s'il vous plaît, Madame Conan? Bonsoir, Madame Conan. Bonsoir, Bénédicte. Comment ça va? Je vais bien. D'accord. Vos vœux pour l'année 2018? Mes vœux pour l'année 2018, vœux de bonheur, vœux de grâce, vœux de prospérité. Ce que nous n'avons pas pu faire en l'année 2017, nous devrons nous mettre au travail pour servir notre Dieu. Et surtout, les femmes chrétiennes que nous sommes, en 2017, c'est un moment que nous avons eu des raisons. Mais nous n'avons jamais de raison sur notre Seigneur. Nous devons nous mettre à la brèche pour servir le Seigneur, pour être des femmes braves, pour plaire au Seigneur, femmes chrétiennes. Voilà. Que 2018, Dieu visite les femmes chrétiennes dans leur foyer et toutes les femmes du monde entier. Amen, merci. Merci, Madame Conan. Merci beaucoup merci, pour nous pour allons vos passer vœux. Notre merci. Micro à une autre personne. À une autre personne, on va appeler Madame Conan.
Djako. Madame voilà. Djako, Madame attention. Djako. Ah d'accord, elle a déjà le micro. Hein. Madame Djako. Elle a déjà un micro, d'accord. Est-ce que vous pouvez l'encourager par des ovations, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez dire au Seigneur en ce jour? Je voulais dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Parce que je voulais profiter de ce micro pour dire merci à Béni TV. Je ne veux pas dire que vous êtes bénis. Nous sommes déjà bénis. Que Dieu vous maintienne dans la bénédiction. Et oui, qui nous récompense, en fait. Qui nous récompense. Je voulais dire merci pour la question. C'est que je voulais bénir le Seigneur pour la vie de tout le monde. Je voulais dire merci à tout le monde. Que Dieu, cette année, soit une année de prospérité, de joie pour nous. Et que cette année 2018 soit une vie de vie spirituelle, vraiment. Parce qu'il nous faut ça. Il faut que notre vie spirituelle soit élevée pour que l'année 2018 soit une année de prospérité pour nous. Merci. Merci, Madame Djako. Merci beaucoup. Bonne heureuse année à vous. Nous allons appeler ici également Mademoiselle Étienne Ashley, qui va aussi présenter ses vœux pour l'année 2018. Ah, d'accord. On a un mannequin avec nous pour ses vœux. Alors, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Pour l'année 2018, pour vous, jeunes, on dira de Côte d'Ivoire, hein, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à tes camarades qui te regardent actuellement? Alors, faut dire que voie 2018, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Chacun de nous ici connaît des personnes qui n'ont pas pu voir ce jour, qui n'ont pas pu voir 2018. Alors, c'est vraiment une grâce de voir cette année. Alors, qu'elle soit une année de bénédiction, une année de grâce, que le Seigneur nous fasse prospérer, qu'il fasse que Béni TV avance de gloire en gloire. Et merci à vous et bonne année. Merci, Étienne Ashley. Nous allons continuer en musique. Et nous allons appeler ici une maman qui va venir nous faire énormément de bien. Oh, j'apprécie sa robe. Ah oui, elle scintille. Vous la verrez tout à l'heure. Elle est aux couleurs 2018. Elle scintille. Alors, elle, c'est Maman Aga, sous vos ovations. Maman Aga que nous recevons. Tenez le micro. Est-ce que vous avez aimé? Allez, partez. Merci. Merci, Maman Aga, pour Aquaba 2018. Je vais inviter une personne que j'aime à écouter. Lui, il a choisi le registre Youssoumba et il glorifie Dieu avec. Nous recevons le chanteur
Sifa, s'il vous plaît, le chant de Sifa. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on va louer sa majesté. Il est bon, bon, il est bon Dieu. Il est bon, bon, il est bon Dieu. Il m'a donné le salut. Il est bon Dieu. Il m'a donné la santé. Il est bon Dieu. Il m'a donné un métier. Il est bon Dieu. Il m'a délivré. Il est bon Dieu. Il nous a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que nous soyons libérés de tout péché. Esprit Saint, descend. Saint-Esprit, descend. Esprit Saint, descend. Saint-Esprit, descend. Elohim, descend. Tata Zambé, descend. Emmanuel, descend. Jésus-Christ, descend. Prophète, descend. Le Tout-Puissant, descend. Pasteur Dion, Pasteur Adonis, que Dieu vous utilise. Christ Sinaï, Zambé, Zambé. Tata Zambé, 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 oh Tata Zambé. L'Éternel est mon Dieu tout puissant. Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas le magnifier? Ah Zambé, oh Tata Zambé, ah Zambé, Zambé, oh Tata Zambé. Louer Dieu, Tata Zambé, sortez la face, Zambé, sortez la face, louer Zambé, sortez la face, Zambé, sortez la face, louer Zambé, Tata Zambé. Il est bon, bon, il est bon Dieu. Il est bon, bon, il est bon Dieu. Il est bon. C'est fort que je vous demande d'applaudir encore une fois. Alors, je prophétise que pour l'année 2018, ce soit le CFA qui va vous conditionner pendant tout le, nom de, tout le long de l'année 2018. Qu'est-ce qu'on répond à cela? Ah, vous ne voulez pas l'argent. Je dis CFA sur votre vie, vous ne voulez pas. Ah! C'est vrai, on ne dit pas d'aimer trop l'argent, mais quand même, il faut avoir un peu d'argent quand même pour survivre. Voilà, si tu n'as pas l'argent, tu vas manger comment? Voilà, donc je déclare le CFA sur votre vie tout le long de l'année 2018. Nous allons toujours continuer en musique. Est-ce que vous voulez qu'on arrête maintenant? Bon, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, hein, parce que là, c'est fini, là. On doit partir. Ah. Alors, donc, je viens pour aussi cette conclusion. Et, mesdames et messieurs, l'émission, nous avons été très heureux d'avoir Petra Rock avec nous. Et l'Institut supérieur de la formation continue. L'émission s'arrête ici. Nous avons été très heureux en tout cas. Qu'est-ce que tu penses donc? Oui, vraiment, c'est avec un pincement au cœur que je vous dis au revoir. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, on va manger le poulet. Ah oui, bon, je vous blaguais. On continue quoi. On va continuer. Mais nous sommes presque à la fin, donc ne vous réjouissez pas trop quoi. Voilà. Il y a maman Lily Goïlou à déguster à la fin. Tant que maman Lily Goïlou ne passe pas, l'émission n'est pas encore finie. Voilà. Donc, on va aller en musique avec le chanteur Jériel qui va nous permettre, bon, c'est en groupe, hein, le groupe Jériel, qui va nous permettre d'esquisser encore nos pas de danse pour l'année 2018. Jériel, que je vous demande d'ovationner maintenant. Ils sont sapés des... Très sapés. Levez la main, tout le monde, levez la main. Jériel, yes I. Fondé sur Dieu. Il le fera, Jésus le fera. Il le fera, il le fera, hey, yeah, il le fera. Il le fera, si qu'il le dit, suis ta vie s'accomplira. Certainement, si qu'il t'a promis, se réalisera. Certainement, oh yeah, yeah. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours.
éternellement. Il n'a pas changé, il reste toujours le même. Sa parole est oui et amen. Elle retourne point sa vie sans avoir compris son effet. Mais si la prophétie là, attends là, et ça confirme. Il le fera, et il est pour toi, il le fera. Il le fera, ce qu'il a dit, tu t'as dit, s'accomplira. Certainement, ce qu'il t'a promis, se réalisera. Certainement, Eric, il faut y croire, garder la foi, et tu verras. Il le fera pour toi, mon frère et ma soeur. Alléluia. Il faut y croire, garder la foi, et tu verras. Il le fera. Oh Jésus le puissant, est-ce que ça mange? Papa Frankie Bernard, est-ce que ça mange? Mon Jésus le puissant, est-ce que ça mange? Mon Jésus le puissant, est-ce que ça mange? Ça mange pas. Waouh les gars, tout feu, tout flamme, c'était fort les gars, merci, merci. Ils ont mis donc ici de la magie, du feu, ils ont embrasé la scène et ils ont aussi une très belle scénographie. Je voudrais qu'on ovationne encore bien fort le groupe Jériel, s'il vous plaît. Permettez de échanger avec monsieur Nguetia, bonsoir. Sinon, j'allais dire bonjour. Qu'est-ce que vous préférez bonsoir ou bonjour? Bonsoir ou bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui. D'accord, super. D'accord. Nous sommes donc en 2018, déjà. Vous êtes chargé de communication depuis Petrarock. Vous avez forcément des vœux, mais parlez-nous déjà de cette ONG. Oui, l'ONG Petrarock est une ONG à but non lucratif qui se charge d'aider les orphelins et les veuves. Et à ce titre, durant ce mois de décembre, le 23 précisément, nous avons une activité à l'endroit des orphelins. Et même vous étiez présents, donc vous avez vu un peu ce que nous avons pu faire à l'endroit de ces enfants-là. Et encore, le vendredi dernier, le 29 décembre, nous avons eu la cérémonie d'hommage pour dire bonne année maman avec nos veuves. Voilà, donc elles sont donc venues aussi répondre présentes à votre invitation. Et il faut le dire, ça nous fait vraiment chaud que vous nous associez à cette belle fête à Kouaba 2018. Donc, juste pour vous dire que l'ONG fait son travail et elles sont là pour témoigner. Elles sont un peu fait du bruit pour l'ONG Petrarock et les mamans. Voilà, donc c'est avec beaucoup de perspectives que nous rentrons dans cette année nouvelle, qui est l'année 2018. Et nous avons, durant cette activité récente, le 29 décembre, nous avons pu offrir à des sessions, Yopoudon, Abouville et Yamoussoukro, des dons d'envergure. En l'occurrence, pour Yopoudon, nous avons fait des cartons d'œufs pour la commercialisation de ces œufs-là, parce qu'ils ont décidé de se mettre en groupe afin de pouvoir aussi songer à être autonome. Nous si avons juste apporté le soutien. Et Abouville a reçu des broyeuses et une presseuse pour fabriquer de la TT, parce qu'ils ont décidé de faire de la TT pour se prendre en charge. Et Yamoussoukro, pour faire une poissonnerie, donc nous avons pu acheter de gros congélateurs que nous avons pu offrir à ces moments-là qui vont entamer en tout cas des activités. En tout cas, vous faites bien de leur apprendre à pêcher. Félicitations. Que de les donner que du poisson. Absolument. Alors, Econ. Si nous avons un concours de karaoké sur Beni TV qui est dirigé par Ruth Kofi, l'animatrice vedette de Matin d'Afrique, je vais appeler ici maintenant les lauréats de ce concours qui est Solfège 2017. C'est parti maintenant. Est-ce qu'on peut faire du bruit à la solfège? Qui a dit qu'en Jésus, on ne pouvait pas s'amuser? Mon frère, laisse-moi te dire, ils t'ont menti. Béni TV, solfège de salut.
émission de vacances, émission des chrétiens. À solfège, tu peux t'amuser sainement. Ça c'est sûr. Émission de vacances, émission des chrétiens. Viens développer ton talent, viens danser. Pour Jésus. On peut bien danser, oh, danser, danser. Allez, viens danser, viens danser, oh. Allez, viens danser, oh, danser, oh. Un seul fait pour Jésus. Ah, oublie tes soucis, tes problèmes. Oublie tes soucis, oh. Viens danser pour Jésus. Un seul fait, tu trouveras une famille. Viens te réjouir. Oya mukuru mukuru mukuru, oya tete kubo. Oya mukuru mukuru mukuru, oya tete kubo. Wamujo, ijo oluwa la wajo, ijo Jesu. Ah, ijo oluwa la wajo, ijo oluwa. Oya sofu komujo, ah komujo. Oya sofu komujo, olemi. Ijo sofeji la wajo. Oya mukuru, oya mukuru, oya mukuru. Ah, la wajo. Oya mukuru. Oya mukuru ba la wajo. Hallelujah. Si tu aimes solfège, pose un cri de joie. Si tu aimes solfège, acclame pour Jésus. Si tu aimes solfège, hey, acclame pour Jésus. Hey, acclame, 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 acclame. Levez les mains, levez les mains, levez les mains, levez les mains, levez les mains. À sauter, à sauter, à sauter, à sauter pour Jésus. À sauter, à sauter, à sauter, à sauter. Hey, c'est le mec, c'est le mec. C'est la fin de Aquaba 2018. D'accord. Quels sont tes vœux pour 2018, Gislain? Mes vœux les plus chers, c'est à l'endroit de tous les téléspectateurs qui suivent toujours le canal 193. Donc, je le répète toujours, nous vous aimons. Et toutefois que nous présentons des émissions, c'est pour l'édification du corps de Christ. Et pour justement aussi, vous, cher public, je voudrais que vous vous ovationnez bien fort, que Dieu vous donne la santé, le bonheur, la joie, mais de grands instants de bonheur. Et plus particulièrement, je peux permettre, hein, je suis donc un enfant de Gagnoa. Je salue donc la région du Gord. Oui, je n'aime pas mes parents. La région du Gord, le lycée Modène, le collège Modène, là où nous avons appris tout, même EPP Soleil 1. Je salue tout le monde. Et puis, on a aussi nos familles qui sont là-bas, la famille Gaillé au quartier Soleil, toujours à Gagnoa, Domoro, et puis tous ceux qui nous suivent à travers donc Béni TV. C'est important de dire ses racines, hein. Faut pas que ça soit compliqué après. Allez, que le Seigneur vous bénisse, et puis bonne année 2018. Alors pour moi, pour 2018, je vous souhaite une année de paix, une année de grâce, et surtout que vous receviez tout ce que vous avez demandé en 2017. Si en 2017, vous avez demandé l'enfantement, le mariage, et ça n'a pas été, ne vous découragez pas. Dieu sait ce qu'il fait. S'il a permis qu'en 2017, ce ne soit pas possible, c'est qu'en 2018, ça sera plus grandiose. Alors pour 2018, on va applaudir l'année 2018 pendant une minute au moins. Parce que l'année 2018 va nous apporter cette joie dont nous avons toujours rêvé en 2017. Ce calme que nous avons toujours rêvé en 2018, nous l'aurons en 2018. Alors, je l'ai dit, hein, tant que Maman Gorilly ne passe pas, c'est que l'émission n'est pas encore finie. Elle est là, dans les parages. Elle viendra nous gratifier de cette chanson que tout le monde connaît. Nous recevons la chantre Lily. Lily, on se tient debout, s'il vous plaît. On s'élève pour la recevoir. Bonne année 2018. You look at me and I'm falling in. Falling in.
habitude. Ah.